Séné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2h depuis Cannes au festival. Oh, bravo, bravo. En direct des salons du Martinez, devant un public en délire qui acclame Annie Lemoine. Bravo, vive Annie Lemoine. Jean-Luc Lemoine. Oh, magnifique Jean-Luc Lemoine. Stevie Boulet. Je l'adore. Philippe Vandel. Qu'il est beau. Et Pierre Bénichoux. Ah non. Moi aussi, j'ai une sœur, comme Jean-Luc, mais je ne l'amène pas ici. Oh. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien que tu enlèves tes mains de ma sœur. La culotte du zouave me les réclame pourtant. C'est vrai qu'il vous touche trop. Sans arrêt, cet homme est... Enfin, il est violent même avec mais moi. Mais non, je la touche, je l'émeux. Elle est touchée par mes paroles. Pensez que je vais avec des mains admirables comme les miennes, que je vais les mettre un peu partout. On sent que t'as pas fait la vaisselle. Vous savez ce qu'il a dit en parlant de nous ? Moi, je peux la répéter, la phrase. C'est horrible. Elle est géniale, cette phrase. Vous trouvez ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Juste avant l'émission. C'est pas des perdreaux de l'année, des filles comme ça. C'est pas une main au cul qui va changer leur destin. C'est élégant, Pierre Bénichoux. Non, non. C'est une phrase amusante, mais j'aurais été incapable de la prononcer. C'est ça. Moi, je la trouve très drôle. Vous êtes finalement un de nos meilleurs humoristes actuels, Pierre. Vous trouvez ? Vous êtes très aimable, merci beaucoup. Je pense. Tristan Bernard me le disait. Laurence m'envoie un email et me dit : Monsieur Bénichoux, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de chanter. Vous êtes le soleil de cette émission. Non, j'ai arrêté la chanson, j'ai arrêté le musical. Ma journée était grise, dit Laurence, malgré le soleil, et vous l'éclairez de votre culture, de votre humour, de votre classe. Ne vous arrêtez pas de chanter, je vous soutiens. Vos collaborateurs sont des couillons, pour être poli. Laurence, on va te péter la gueule. Elle en a de la chance, Madame Bénichoux, me dit Laurence. Laurence, voilà une femme qui parle bien. Non, Laurence, voilà une sourde. Elle dit que Madame Bénichoux a de la chance. Elle vous laisse chanter Madame Bénichoux à la maison ? Non, elle me laisse rien faire. Renaud m'écrit carrément, il habite Colmar. Bénichoux, président ! Bénichoux, président ! Bon, non, c'est un peu prématuré. Voilà, c'est peut-être aller un peu loin. Oui. Je ne sais pas si vos emails vous ont suivi jusqu'à Cannes, me dit Christophe, où j'imagine que vous allez vous faire bronzer les doigts de pied entre deux émissions radio et télé. Il rêve, parce que il ne connaît pas l'enfer ici. En attendant, ce matin, l'annonce des chroniqueurs de cet après-midi par Julie, je me suis dit, tiens, cet après-midi, il y aura un match Bénichoux-Stevie. Il ne faut pas que je rate ça. Alors, Stevie, tiens bon, on est derrière toi, dit Christophe. Oui, on est... Merci, Christophe. Tu vas l'avoir, la Béniche. Voilà. Ah, mais j'aimerais ressembler plus tard à Pierre. C'est pas vrai. Ah, mais c'est mon modèle. C'est mais t'es dépressif modèle. Ou quoi, toi ? Mais non ! Ce mec... Non, mais c'est vrai que ce mec est extraordinaire. C'est un érudit, c'est une bible. Voilà. J'aime tout à fait. Ça, c'est la méthode, je me le mets dans la poche au début de l'émission. Ouais. Alors ça, on gardera pour la nécro, c'est très bon. Bonjour Laurent, merci pour votre émission que je trouve d'utilité publique. C'est Stéphane qui dit, dans ce climat actuel d'endormissement des esprits, depuis la dizaine d'années que je vous écoute, je n'ai jamais entendu un humoriste d'une telle trempe. Je parle bien sûr de Pierre B. Oh, t'as arrêté. Les avertis le reconnaîtront, mélange de culture, de cynisme et de provocation. Pierre Berger. Pierre Bachelet. Ahmed de Tunis m'écrit, j'ai pu malheureusement constater que monsieur Bénichoux, avec des airs d'égocentrisme à la française, commence à dire n'importe quoi dès qu'il s'agit d'un sujet interreligieux ou interculturel. Dites à monsieur Bénichoux, qui fait l'éloge du christianisme et de la France, que par ailleurs j'admire moi-même de plus en plus les autres civilisations. Rappelez-lui que les plus grands philosophes sont grecs, arabes et allemands, les plus grands astronomes et mathématiciens sont grecs et arabes. Les plus grands médecins sont arabes. Et si monsieur Bénichoux veut des fêtes, dites-lui que jusqu'au début du XVIIIe siècle, les universités européennes ont enseigné la médecine et les mathématiques avec les écrits et les travaux de leurs maîtres en la matière, les scientifiques arabo-musulmans. Mais je n'ai jamais contesté cela. Ah oui ? Je n'ai jamais contesté cela. J'ai simplement dit que depuis 300 ans à peu près, c'est vrai qu'il y avait un assourdissant silence du côté des Grecs, des Arabes et des peuples de la Méditerranée. Que toute civilisation vienne de la Méditerranée, c'est évident. Il se trouve que le retard à combler est important. Un point, c'est tout. Et maintenant, place à la danse avec Los Javaloyas et leur orchestre magique. Il n'y a pas que des emails positifs pour vous, Pierre. C'est quand même normal. Bien sûr. Il y a des anti-Bénichoux. Fabien, par exemple, qui dit Fabien, je le connais, Fabien. Je suis un anti-Bénichoux. Je déteste tout ce qu'il aime. Ah bon ? J'adore tout ce qu'il vomit. Je pense l'inverse de tout ce qu'il vomit. J'adore tout ce qu'il vomit, donc à dire à 4h du matin quand je sors des boîtes. C'est chic. Mon médecin m'a dit de ne pas maquiller. Dit Fabien, que ce mal était très répandu et qu'il s'agissait même d'un signe de bonne santé.
Pour vous dire à quel point anti-Bénichou je me suis précipité dès hier afin d'acheter le nouvel album de Francis Cabrel après avoir entendu Monsieur Bénichou en dire tant de mal sur votre antenne. Inutile de vous préciser que j'ai adoré. Après votre émission, j'ai pris la ferme résolution d'annoncer à ma femme que je la quittais pour son meilleur ami, que je compte épouser dès que les mariages homosexuels seront autorisés. Mon futur époux et moi comptons nous installer dans un petit village de Haute-Garonne où nous vivrons de la terre que nous cultiverons à l'ancienne, conformément à ce qu'exècre Monsieur Bénichou. Pour finir, j'ai décidé de rendre ma carte du Front National et de ne plus jamais écouter Radio Montmartre. Bon, c'est très drôle, comme vous voyez, les gens qui ne m'aiment pas font partie de la majorité. Hein. Salut la bande, vous êtes géniaux, surtout Pierre, vous savez tourner à la dérision culturelle, la déchéance croissante de notre belle France que vous connaissez si bien. Ça fait peur, ce genre d'email, non ? Hein, Pierre Bénichou ? Tous derrière le maréchal ? Non, mais j'ai jamais dit tout ça, mon Dieu. Quand on fait des petites réflexions un peu réactionnaires, moitié par provocation, moitié pour faire rire, moitié parce que c'est vrai, il y a trois moitiés, ça dépend de la grandeur des moitiés. Eh bien, à ce moment-là, on a des gens qui vous prennent au pied de la lettre, comme ça. Oui, au pied de l'email, même. Il ferait mieux de me prendre en taxi à la sortie du Martinez. Pourriez-vous dire à Pierre Bénichou qu'il a un patron très sympa, c'est Monique qui m'écrit, que ses collègues de travail sont très agréables, qu'il a une grande chance d'être à Cannes au soleil et devant la plus belle mer du monde. Alors stop, assez de critiques sur tout et sur rien, cela en devient lassant. En ce qui concerne Francis Cabrel, je lui signale simplement que la chanson française a un peu évolué depuis Yvette Guilbert et Lucienne Delisle. Sans rancune et amitié à toute l'équipe et surtout continuer à nous amuser. Voilà Pierre. Lucienne Delisle. Vous connaissez Lucienne Delisle ? Oui, je l'ai vu chez Pascal Sevran. C'est pas vrai. Si, dans la chanson, ouais. Il y a quelques années déjà. Toujours habillée en noir. Alors ça, je me rappelle pas ce qu'elle chante, je sais pas. En même temps, c'est elle est toujours habillée en noir et elle a des seins assez énormes et ça cache c'est un reste. Mythe qui s'effondre. Moi, je croyais que Stevie, c'était que Mylène Farmer. Non, il regarde Pascal Sevran. Ah, Lucienne, non. Une robe noire et des gros seins, je crois qu'il confond avec les maillons faibles. Colette Renard aussi, j'aime. Ah, qu'est-ce que vous connaissez de Colette Renard ? Ah, je ne connais pas le titre, mais ça fait Viens me planter le mont poilu, me remplir la boîte à bijoux, me... Oh, dis donc Non, Colette Renard, qui est peut-être une des meilleures chanteuses des années 60. Elle est énorme. Et qui a complètement rénové la chanson française avec des chansons comme Au dehors, la rue s'allume, comme Zon, comme... toutes les... Tu veux pas nous chanter une chanson de Colette Renard, Pierre ? On tire un sketch, tu sais, on est pas celle-là, elle existe vraiment, celle que c'est oui. Oui, mais bien sûr qu'elle existe, cette chanson. Alors, elle fait comment ? Viens me planter mon poireau, c'est comment ? Alors, justement, elle a, après avoir eu un succès énorme dans Irma la douce, qu'elle a créée, qui est une pièce d'Alexandre Brefort, comédie musicale, première comédie musicale française qui est marché, qui est la première non-opérette qui est marché, et qu'on reprend tout le temps maintenant, qui est une grande chanteuse, qui était mariée à Raymond Legrand, qui était le plus grand arrangeur et l'un des meilleurs chefs d'orchestre depuis avant-guerre jusqu'aux années 90. Mais oui, ça existe, ces choses-là. Qu'est-ce que vous faites ? Si, on vous dit Charlemagne, vous dites, oh, t'étais trop petit. Mais tu connais. Bon, 1515, donc j'étais même pas né. Bon, mais je veux dire. Bon, ça existe. Un jour, elle a fait, pour rire, un disque de chansons paillardes, ça s'appelait, où elle chantait ces choses-là, qui est un disque qu'on se passait sous le manteau, qui était une anecdote dans sa carrière, et Colette Renard est quelqu'un de très bien. Et je vais vous interpréter. Non, rien du tout. Alors c'est comment, Stevie, cette chanson ? Je peux pas la dire. Je sais quelques expressions. Ça fait... Alors, viens me remplir la boîte à bijoux, me planter le mont poilu, me faire découvrir... Enfin, c'est quand même assez sexuel. Vous dites sexuel. Ça à un moment où il y a un jeune serveur du Martinez qui a vous, qui repart aussi vite que les cheveux. Et notre café, on peut se gratter. Il est reparti tout de suite. Oui. Ça lui a fait peur. Hein. Je dois dire. Il est allé planter la boîte à bijoux. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas de poils. Hein. Moi, je me souviens d'une parodie qu'elle avait faite sur la route de Louviers. Sur la route de Louviers, elle chantait comme ça. Sur la route de Louviers, il y avait trois cantonniers, et qui limaient, et qui limaient, et qui limaient comme des voyous, au lieu de casser des cailloux. Voilà. C'était ça. Ça, merci, cher public aimé. Non, l'applaudissez pas, c'est l'encourager. Faites attention. Bon, en tout cas, le film qui sort demain, j'imagine, et qui s'appelle Notre musique, qui est présenté aujourd'hui à Cannes, est un curieux film, nous dit le JDD, qui nous raconte que le purgatoire est sur la terre, à Sarajevo, une sorte de nouvelle Babel, une ville peuplée d'écrivains.
Et Godard nous signe, paraît-il, un film plus optimiste que d'habitude. Alors, à un moment donné, il paraît qu'on voit dans le film une poursuite furtive d'un tramway qui glisse pendant la nuit. Il y a Pierre qui a arraché le micro. Dans Pierre Bénichoux vient de se suicider au niveau de la... Pierre, qu'est-ce que vous me faites? Il te branche. Non, je vais te dire. Il s'est pendu à son micro. J'en appelle, puisqu'on parlait de grands artistes, j'appelle monsieur et madame Martinez, les patrons de cet hôtel. Et ils ont mis sur la table où on travaille une sorte de truc en velours. En rouge, imitation d'un. Ce qui fait que le micro ne glisse pas, n'est-ce pas? Alors on ne peut pas l'éloigner puis le rapprocher de sa bouche si on veut faire des effets de voix, n'est-ce pas? On ne peut pas le faire. Alors, tout d'un coup, l'écoutant que bon courage, je dis tiens, je vais soulever. Je l'ai pris par la base. Mon Dieu, c'est très sexuel. Je l'ai arraché. Là. Alors je suis désolé, c'était offert par Carglass. Car un petit impact peut devenir un gros trou. Je sais plus ce que je disais, mais bon, je vous propose une petite pause. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours depuis Cannes, dans les salons du Martinez. Ouais. Et Stevie. Ah non, mais là, il y a un problème. Stevie oh se non, dit. Non, on va pas parler de ça. Ah, mais là, il faut que je change de place. Stevie très me dit. Gêné. Ah, mais t'es en short. J'aime pas les gens en short. Ah, mais je sais pas, je trouve ça. C'est quoi votre problème? Je trouve ça tue l'amour. Ah oui. L'enfant n'était pas parti pour balader. Mais tu te vois te balader en ville en short. Ben mais oui. Je suis d'abord, je suis pas en short, je suis en Bermuda et on n'est pas là pour draguer, on est là pour travailler. Je peux montrer. Oui, non, mais je voudrais dire à nos auditeurs que. Enfin, pas à nos spectateurs qui nous voient, à nos auditeurs que nous sommes séparés en deux tables. Il y a une table où il y a les frères Lemoine et moi-même, une petite table qui les sépare, où il y a notre président, merci. Le président Ruquier, oui. Et il y a une table où il y a deux folles tordues qui disent les shorts, t'aimes pas? Non, mais pourquoi? Ça tue l'amour, t'es vache. Non, mais nous n'avons rien à voir, les frères Lemoine et moi, avec ces gens-là qui vont être arrêtés immédiatement d'ailleurs. Juste après sélection. Allez voir les kangourous. De Miss Festival qui va avoir lieu maintenant. Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous gêne dans le Bermuda ou le shirt, si vous préférez? Non, général, mais qu'est-ce que tu penses de cet auditeur, alors, qui est ici parmi nous? Ouais, mais lui, ça va, il est bronzé, en fait. Moi, je le trouve. Non, mais attendez, il y a short et short, ça dépend des mollets aussi. Tu te vois, toi, te trimballer avec un short qui arrive juste en bas de l'effet. Comment est-ce que c'est? Philippe, il faut défiler. Il faut défiler, là. Merci. Attention, Philippe Vandel se lève. Non, mais là, ça va mieux. Ah, c'est pas du tout un Bermuda, c'est un pantacourt. C'est un pantalon qui a rétréci au lavage. C'est ça. Je dois dire Pierre, que Philippe... t'as déjà mis des shorts. Non, je dois dire que Philippe Vandel n'a pas un short indécent du tout. Il a une tenue grotesque, mais pas du tout un short. Mais tout à l'heure, il avait son short remonté jusqu'aux cuisses. Et pas possible. Ça va. Tu rigoles, toi? C'est la première fois que ça dérange depuis tout à l'heure. Et qu'est-ce qui vous dérange alors? Non, c'est les poils, mais parce que tu préfères. C'est pas les poils, c'est anti-esthétique. C'est pas beau, quoi. Un mec, ça doit porter des. Bon, sauf quand tu fais du sport ou des choses comme ça. Alors pour faire plaisir, quoi. Mais non, je trouve ça plus joli. Non, mais joli, un beau pantalon avec des belles chaussures, des tongs. Mais toi, t'aimes pas les tongs? Pourquoi vous n'aimez pas les tongs? Non, c'est moi qui le dis. C'est pour moi, c'est le string des orteils. Je n'ai jamais porté de tongs avec ce petit machin qui te rentre dans l'arrêt des doigts de pied. J'aime pas du tout cette idée. C'est comme la viande crue. J'aime pas ça. Eh bien, Stevie, vous devriez vivre en Louisiane, puisque dans Libération ce matin, on nous dit que la dentelle du string qui dépasse de la ceinture du jean, ouais, l'arrondi des fesses qui se laisse apercevoir, sont désormais des visions insupportables pour la cornée d'un nombre important de parlementaires de Louisiane. Et pour s'éviter ce spectacle, des élus de la Louisiane, cet état du sud des États-Unis, rappelons-le, mènent campagne pour faire adopter un projet de loi qui réprime le port en public de vêtements exposant intentionnellement toute partie des poils pubiens, de la raie des fesses ou des parties génitales. C'est-à-dire le jean taille basse des filles, le short élargi de Philippe Vandel. Le texte a été adopté par la commission judiciaire et pourrait être voté par le Congrès de Louisiane d'ici au 21 juin. Question prisée localement, la chanteuse Britney Spears, native de Louisiane, devra-t-elle se plier à la règle? Voilà. Et en tout cas, on nous dit qu'effectivement, il est indécent de voir les parties génitales dépasser d'un short ou la raie des fesses. Non, mais attends, ça n'existe pas quand même. Il y a pas un tube avec les. Si, si, si. T'as pas lu San Antonio? Les parties génitales
dépasse du short largement. Non, mais moi j'ai été en Louisiane en juin dernier. Vous souvenez Berurier? Oui, bien sûr. Il y a toujours les couilles qui pendent. Oui, un peu comme comme le gros dégueulasse de réserve. Arrivé, ça. Oh. Mais il y a pas. J'étais en Louisiane, on voit pas les types avec les bonbons qui sortent du paquet. Alors, ça n'existe pas. Je regrette pas d'être avec vous, moi, aujourd'hui. Et on va pas dans les mêmes endroits, Stevie. Non, parce que moi je connais bien Louisiane. C'est pas une fille tellement bigote que ça. D'ailleurs, c'est la mère de Britney Spears, puisqu'on dit que Britney Spears, qui est elle aussi native de Louisiane, c'est sa maman. Oui. Hein? C'est intéressant ça, Pierre. Oui, mais je vais m'en sortir. Je retire tout ce que j'ai dit au début de l'émission. En tout cas, s'il y a des filles comme ça qui peuvent plus mettre ça en Louisiane, je leur offre l'asile politique. Ah, elles peuvent venir chez moi. Parce que vous aimez ça, le string ou le jean. Le jean taille basse, franchement, c'est sympathique. Ça dépend aussi de la morphologie. Ça dépend qui le porte. Oui, exactement. Moi, je vais vous dire, j'adore les femmes, j'adore la lingerie. Je suis quelqu'un d'assez normal. Et d'ailleurs, t'en portes. Non, vous n'êtes pas du tout normal. Mais le string me débecte. Ah, pourquoi? Parce que je trouve que c'est inesthétique. Je trouve qu'elles doivent avoir mal. Pour les hommes ou pour les femmes? Je trouve que c'est un truc qui fait... Oh là là, j'aime pas ça, puis j'aime pas du tout qu'on... Vous préférez les marques de culottes ou les pantalons? Je m'en fous des marques de culottes. Non, c'est très agréable de porter un string. D'abord, le pantalon n'est pas une chose obligatoire. Il parlait des femmes, hein, Stevie. Il est arrivé un drame à une femme hier qui a monté les marches, qui s'appelle Nathalie Corré, que vous connaissez. J'ai une pensée pour elle. Parce qu'elle avait une robe transparente, elle ne le savait pas. Et donc, elle avait un string noir, qu'on voyait que ça sur les marches. Un peu trop sport, pas assez habillée. Et elle avait choisi le mauvais string. Avec marqué quoi, le coq sportif? Il y a des strings. Absolument. Il y avait la marque. Il y a des strings sport et il y a des strings habillés. Non, ce qui est gênant, c'est quand tu lis la marque T42. C'est ça qui est gênant. Je pense que Pierre Bénichou n'aime pas le string parce qu'il n'aime pas qu'on rentre quelque part à sa place. Non, c'est pas tellement la question. Non, je trouve que c'est pas très joli, je trouve. Oui. Je sais pas, moi, on a vécu sans string pendant assez longtemps, quand même. De toute façon, Pierre m'en a parlé. C'est pas ça qui a fait baisser le désir des hommes. Au contraire, on dit que les hommes se sont plutôt désintéressés des femmes depuis une trentaine d'années. Or, le string existe depuis 10 ans. Ah, mais non, mais c'est le collant qui a fait baisser le désir des hommes. Le string, ça ferait plutôt remonter. Je suis pas du tout d'accord avec toi, Pierre. Mais personne n'est d'accord avec lui. Voilà ça. Mais le string, enfin. Est-ce que t'as déjà porté un string? Pardon? Je crois que c'est la question qu'il fallait passer. Je ne demande pas à voir. Porter un string. Alors, c'est vraiment idiot ce que tu dis. Écoute, j'ai acheté un taille 44, 54. C'est quoi ta taille? Si tu veux voir un. Je ne sais pas, demande à mon tailleur. Je crois pas que j'achète des trucs tout faits. C'est hyper agréable, je te jure. Vous en portez, vous alors? Moi, j'en porte, souvent même. Bien sûr. Mais tu vois, avec un soutien-gorge assorti ou pas? Oh, mais qu'est-ce que t'es. Parce que c'est des strings pour hommes maintenant? Ben oui, ils font des strings pour hommes. Qui en porte? Personne, ok. Ah si, un quand même. Un monsieur au fond. Un monsieur. D'un certain âge, je crois voir d'ailleurs. Voilà, il voyait Pierre, non? Ah, pardon monsieur. Mais non, il fait semblant, il croit que ça fait rigoler, mais ça fait pas rigoler. Vous, monsieur, vous êtes un salopard. Voilà. Non, mais quand même, le string n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir des très jolies fesses, c'est tout. Ouais, voilà, c'est pour ça peut-être que tu peux pas en porter, Pierre. Oh là, je pense qu'il y a des filles. Il y a des filles, il faut montrer. Moi, s'il y a un mec qui peut parler de ses miches sans rougir, c'est bien moi. C'est pas parce que je les montre moins que d'autres qu'elles sont moins désirées. Après cet intermède fessier, une pause publicitaire, à tout de suite. Et dans Libération, peut-être avez-vous lu ce titre ce matin, Valéry Giscard d'Estaing, pas très sage pour la rentrée. Hein? Comment pouvez-vous traduire ce titre? Avez-vous lu cet article? Et à votre avis, que se cache derrière ce titre VGE? Pas très sage pour la rentrée. Déjà, Laurent, ça fait 2 ans que je fais cette émission. C'est la première fois que vous citez le nom de Valéry Giscard d'Estaing, pardon, sans imitation. Je le ferai après. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est un rapport avec l'Académie française? Pas du tout. C'est un rapport avec l'Union européenne. Pas très sage. Il refuse d'aller au Conseil constitutionnel comme il y a le droit en tant que. Bravo, voilà un garçon qui réfléchit sage. Merci comme sage. Beaucoup, j'apprécie énormément ce que vous venez de dire. Sage comme sage du Conseil constitutionnel, mon petit Jean-Luc. Car il est membre de droit. Ouais. Je vous prendrai sur le Car il est ancien président de la République. Et depuis, effectivement, il n'a pas été réélu en Auvergne lors des dernières régionales. Valéry Giscard d'Estaing a dit qu'il rentrerait dans le droit chemin du Conseil constitutionnel et qu'il y siégerait désormais. Il avait même prévu de siéger aujourd'hui, mardi, pour la première fois
Sauf qu'on nous annonce qu'entre un déplacement à Shanghai et une petite fête à Paris pour célébrer les 30 ans de son élection à l'Élysée. Oh la fête, t'imagines les losers qui sont là. C'est Madame Raffarin qui prépare cette petite fête. C'est, ce que je disais, c'est bien ce qu'on disait. Anne-Marie Raffarin, l'épouse du Premier ministre, prépare effectivement cette petite fête pour le 30e anniversaire de ce fameux jour de 1974, c'est ça? Eh oui, hein, oui. 1974. Puisqu'il avait été élu en 1974. Et cette petite fête empêche M. Giscard d'Estaing de siéger, comme il devait le faire normalement aujourd'hui, au Conseil constitutionnel. D'où ce titre, pas très sage pour suite, sa rentrée. Suite à la mort du président Pompidou, le 2 avril de la même année, 1974, Pompidou meurt. Et immédiatement, il regarde la France dans les yeux et il est élu dans la foulée. Et il bat Mitterrand d'un point. En 81, Mitterrand, il en met plein la gueule. Et youpi. Ce sera demain, mercredi, cet anniversaire. On fêtera donc les 30 ans de Giscard. Au Queen, je vous le rappelle. Oui. Non, ça se passe dans un salon de Matignon. Voilà, une réception. Un salon pour 8 personnes, c'est même pas un Matignon, c'est quand même terrible. C'est une réception organisée par Madame Raffarin. Voilà. D'ailleurs, comment ça se passe quand, si jamais Jacques Chirac décédait? C'est le président du Sénat. Et là, en l'occurrence, en 74, je me souviens bien, c'était le président Poers. Et là, moi, je dis, c'est le président du Sénat qui fait l'intérim. L'intérim. Voilà pourquoi on a d'ailleurs surnommé M. Power Manpower pendant de longues années, parce qu'il remplaçait les présidents, soit décédés, soit démissionnaires. Et comment ça se passe, par exemple, en cas de conflit mondial? Parce que normalement, c'est le président de la République qui a les codes pour lancer les bombes sûr, nucléaires. Mais t'avais qu'à aller à l'école, au lieu de t'acheter des casquettes et des strings. on va pas tout apprendre en un jour. Jeanne d'Arc, c'était une femme aussi, puis elle était la gagnée, la machin, elle est née à un truc, elle a été l'évêque cochon et tout ça, elle a été brûlée vive. Tu me feras toujours rire, Pierre. On peut pas tout apprendre d'un coup, on peut pas tout apprendre. 1515. 1515, c'est quoi? 1515. 1515, c'est Marignan. Ouais, mais tu peux vivre sans savoir ça. Oui, c'est ça. C'est ça? Il en sait des trucs bien sûr, c'est ça. Vandal, et vous, comment ça se passe dans votre camping? Parce qu'avec la chambre, avec votre Bermuda, là, vous pouvez être qu'au camping. Non, je suis dans l'hôtel 314, j'ai une chambre incroyable, rose et verte et pistache, c'est incroyable. On dirait que c'est le décorateur le truquiste vidéo de Pascal Sevran qui a décoré ma chambre. Mais c'est génial. Il y a des couleurs partout, c'est incroyable. Ah oui, bien sûr, c'est kitsch incroyablement. Mais je voulais savoir, j'ai vu Christophe Lambert tout à l'heure, j'ai croisé sur un plateau de télévision une émission qui se préparait et qui passera ce soir. Sur France 2. Voilà. Et pas il d'erreur. Disait qu'il n'avait pas d'eau chaude. Qu'ils n'ont pas d'eau chaude au Carlton. Ah oui? Et il disait, il faut réparer la chaudière. Mais alors je parle à Pierre qui s'y connaît en chaudière déjà, que il c'est pas le genre de mec à laisser un petit éclat dans son pare-brise. Non mais une chaudière pour 500 chambres, c'est gros comment, Pierrot? Ça serait pas en deux jours. C'est déjà de la grosse chaudière. Moi je sais que chaque fois que j'arrive dans un hôtel, que ce soit un petit hôtel de banlieue ou que ce soit au Ritz, je demande à voir la chaudière, je parle pendant un moment. Non, parce qu'une chaudière qui sent que tu t'intéresses à elle fonctionne beaucoup mieux qu'une autre chaudière. Il lui faut un peu de soutien psychologique à la chaudière. Ben bien sûr. Moi, j'ai vu des chaudières toutes petites qui pétaient le feu. Et des grosses chaudières qui étaient là, toutes molles, tout ça. Personne ne leur parlait jamais. Mais bien sûr, tourner à gauche, tourner à droite, c'est trop facile. Moi, j'ai vu des chaudières avec des volants, comme ça. On était 5 ou 6, on a 6, Narcos et moi. On avait fait la grève des milliardaires, on s'était marré. Dans le Figaro, on nous annonce la sortie d'un disque de Massimo Gardia. Ça, c'est une bonne nouvelle, alors. Eh oui, Massimo Gardia va chanter. Il est en train d'enregistrer son disque. Je rêve de chanter depuis toujours. J'ai donc accepté sans hésiter. Et est-ce que vous savez, alors, je ne sais pas si à Paris, on a encore le disque en magasin, parce que Pierre, c'est le fameux disque Dragoțca Dintei du groupe roumain Ozone. Vous savez qu'on a régulièrement passé ici. Très bien, et il va faire la version française, en fait. Non. Oui. Ça ne m'étonne pas de ce con. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est une des plus mauvaises chansons du monde. Il a trouvé que ça. Oui, oui. Il dit dans les couplets, il va évoquer la jet set en vacances. Nous avons prévu 3 versions, une pour les radios, une pour les magasins et une pour les discothèques. Et il espère bien en faire un tube de l'été. Enfin, c'est des jeunes roumains, moldaves, très précisément, qui font ce disque qu'on va retrouver à Europe, j'imagine. Qu'est-ce que c'est une version pour les magasins? C'est un disque qu'on passe dans les magasins? Oui, qui reste dans les magasins. Non, c'est... c'est idiot, c'est... Mais non, mais c'est Maximo Gardia, il a un truc extraordinaire, c'est que
On dit, oh, il fait des conneries, il dit des conneries, il dit, il faut coucher avec des gens qui ont de l'argent, il faut jamais travailler, enfin, toutes choses qui sont le contraire de la morale. Et pour le sauver, pour l'excuser, on dit, mais non, il dit ça pour l'argent. Alors, c'est grave inouï de sauver quelqu'un d'immoral par une immoralité encore plus grande. Et en parlant d'immoralité, pardonne-moi. C'était Pierre. Le rendez-vous de Saint-Granier. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Pierre a raison. Qui est-ce qui produit, on sait? C'est Orlando, c'est qui? Est-ce qu'on... Ah, ça on me dit pas dans le Figaro. C'est Jacques Pessis qui n'a pas toutes les informations toujours, même quand il les invente. L'adaptation française d'un succès du top 50 en tout cas. Et ça pourrait s'appeler Maseki Massimo. Voilà, c'est le titre de la chanson. Maseki Massimo. Titre sur lequel vous allez danser pendant Je crois que j'ai entendu une partie de l'enregistrement l'autre fois dans l'émission de TF1. Ah oui. Et c'est une catastrophe. Bézu à côté, c'est Pavarotti. Ah oui. Ah oui, non, c'est terrible. Heureusement, Vincent Delerme, Pierre Bénichou. Votre chanteur préféré. Non, je le mets le matin pour me réveiller, mais il est bien, il est bien. Vous aimez Vincent Delerme en chanson, vous l'aimerez au théâtre. À partir de ce soir, au théâtre du Rond-Point à Paris, se joue le Fait d'habiter Bagnolé. C'est la pièce de Vincent Delerme qui est mise en scène par une jeune metteuse en scène qui s'appelle Sophie Le Carpentier. Il a écrit cette pièce il y a quelques années, elle est montée à Paris pour la première fois et on y retrouve un peu le style de ses chansons à Vincent Delerme dans cette pièce de théâtre. Voilà, après la chanson de théâtre, c'est pas quoi le style, c'est des gens qui s'endorment dans la salle. Non, qu'est-ce que c'est le jeu? Je suis sûr que c'est plus agréable à regarder au théâtre qu'à écouter en chanson. Je suis sûr qu'il est j'aime bien. Il écrit très bien ce mec. Mais c'est le même univers, pas de charme, mais c'est pas mal écrit et c'est la musique est assez jolie et tout. C'est que qu'on dise il a sa chance, il fait un 10 de temps en temps, c'est bien, mais que maintenant on dise Vincent Delerme, comme si c'était quelque chose d'obligatoire, sans arrêt, ben Vincent Delerme, on en a marre. Et évidemment, on outre son propos, son talent. Non. Ah. Son talent étant trop augmenté, on outre la haine qu'on peut avoir pour, enfin, l'énervement. Il peut provoquer. Les réserves. Tu vois, quand je parle de ce mec-là, je peux plus parler tellement qu'il me fait chier. Il craque. C'est vrai qu'il me fait craquer parce que c'est... Non. Vous savez, on dirait ces fonctionnaires à qui tu dis, vite, le train part à quelle heure? Il dit, bonjour monsieur, asseyez-vous donc, et tu deviens fou parce que t'as 2 minutes. Toi, t'es là, tu mets ta radio, t'entends. J'étais venu avec ma mère qui connaît très bien Martine Carole, parce qu'il y a toujours des noms de monde, qui est un ami de l'abbé Pierre, et qui m'a dit, entre par ici, car l'abbé Pierre va bientôt venir avec Bobby Scholder. Boum, boum. Non, mais c'est la parodie de Vincent Delerme par Pierre Bénichou. Très approximatif. Moi, quand je les regarde, je les admire parce que je les trouve très courageux. Faire un métier comme ça où on est en permanence dans le désir des autres, ça veut dire être dans les fêtes comme vous étiez hier soir, essayer de se faire remarquer, de choper un regard, un soir. Ouf, faut avoir le cœur accroché quand même. Mais en fait, si vous voulez, vous. Pierre Bénichou vient de s'endormir en direct, mesdames et messieurs. Ça, c'est quand même. Pas du tout, parce que justement. Mais non, parce que c'est vraiment pour une fois où quelque chose me passionne. Quelle oui, parce que c'est intéressant plutôt de voir ces fausses vedettes qu'on va s'en arrêter. Des gens qui parlent avec leur cœur et qui disent ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie d'être. Et c'est vrai que je les ai écoutés avec ferveur et j'avais les paupières qui sont un peu baissées, puis je voudrais un café au lait. Non, mais c'est idiot, ça, les gens vont le croire. Hein. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur La Croisette, toujours en direct de Cannes, pour le 57e festival. Cet après-midi, toujours en direct des salons du Martinez. J'allais dire le Majestic, dis donc. Un peu plus, on était viré. Avec Isabelle Motro. Ils vont nous présenter l'addition. Oui. Oui. Gérard Miller. Oh. Oui. Son jumeau, Pierre Bénichou. Ah. Je suis flatté. Jean-Bernard Hébé. Oui. 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 Son fils, Christophe Alévèque. Oui. Et Philippe Landel. Oui. Quelle équipe. Moi. On peut dire aux Cannois, en tout cas, qu'ils ont les poubelles les plus chics de la ville, puisqu'elles ont été relevées ce matin par Christophe Alévèque et Pierre Bénichou, à 6h, qui ont fait le relevé des poubelles.
Non, pardon. Pierre, excuse-moi, j'ai trahi un secret, d'accord, t'aurais pas dit. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait cette nuit. Voilà, j'ai le dessin, en fait, c'est dans Charlie Hebdo et pas dans Le Canard Enchaîné. C'est Charb qui montre des intermittents en colère derrière des barrières. Et les intermittents disent « On va vous faire chier jusqu'au bout !» Et un journaliste qui dit « C'est pas possible, vous pouvez pas nous faire chier autant que les films qu'on va voir. Oh, » Oh, c'est facile. C'est facile, mais c'est drôle quand même. Je trouve ça assez drôle, non? Mais bien sûr, c'est très amusant puisque tu l'as trouvé. C'est pas moi, c'est Charb, le dessinateur. Ouais, mais quand même. T'as mal dormi, Pierre? Petite question à Pierre Bénichoux, me demande Jean. Comment se fait-il que je le trouvais tout ce qu'il y a de plus barbant quand il était chez Drucker, alors que maintenant je le trouve un petit peu plus drôle chez vous? Mis à part ces chansons qui, réveilleraient tous nos vieux morts de la canicule et qu'ils poursuivraient avec un brumisateur à la main. Pour Pierre Bénichoux, dites-lui qu'il fait partie, c'est Eric qui m'écrit, des rares personnes drôles et très intelligentes. Chacune de ses prises de position me séduisent. Quelle pertinence! J'aimerais beaucoup faire sa connaissance, dit Eric. Je sais que cela ne sera pas possible, quel dommage. Pourquoi? Chambre 206. C'est une question d'argent. Cela faisait une éternité que je ne vous avais pas écouté, dit Arnaud, étant exilé à Londres. C'est un réel plaisir de retrouver le French humour de M. Ruquier et de toute son équipe, sans oublier le ronchon de service, M. Bénichoux. Je constate qu'il manque mon idole Christophe Alévèque. Il est là aujourd'hui. Ça y est, il est de retour. En effet, même si à ses débuts j'ai mis du temps à me convaincre de ses qualités de chroniqueur, je trouve actuellement que c'est sans doute votre meilleur élément. De plus, j'adhère à 99,9% à ses idées politiques et à son humour. Il répond très bien à la disparition de Franck Dubosc. C'est con, ça commençait bien comme email. Et le remplace à la perfection avec même un peu plus d'engagement politique, c'est pas dur. Ah oui, par rapport à Franck Dubosc. Ah oui, l'engagement de Franck Dubosc. Je me permets de rappeler pour les auditeurs les plus jeunes que Franck Dubosc est un éminent spécialiste de la politique. Et un jour, on citait le nom de Dominique Strauss-Kahn et il a demandé c'est qui celle-là. Et il était peut-être en avance, parce que maintenant qu'on sait que Dominique Strauss-Kahn est pour le mariage homosexuel, ouais. Peut-être que Franck avait déjà des informations. Je ne suis pas un fanatique de Gérard Miller, m'écrit Sébastien. Cependant, je me réconcilie avec lui chaque fois qu'il nous parle de musique. En effet, il a d'abord parlé d'un chanteur qui s'appelle Jamais, que j'adore. Ensuite, l'autre jour, il a présenté un CD qui s'appelle Les oreilles loin du front, que j'avais déjà mis en vente dans mon magasin. Bref, dès qu'il parle de la scène indépendante et des chanteurs qui se font trop rares, il est parfait. Vive les festivals et concerts indépendants. Vive Gérard Miller. Vous voyez, hein, Pierre ? Si vous voulez vous faire chier, partez en vacances à Gérard Miller. C'est le dernier slogan qu'on retiendra après la pub. On se retrouve tout de suite après pour la suite des emails. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Hébé, Vandel, Miller, Bénichoux, Alévèque et Isabelle Motreau. Isabelle Motreau qui tente de survivre dans cet aéropage. Oui, très 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 masculin quand même. Hein. Mais pas trop macho, on n'est pas trop macho. Non. Alors là, c'est quoi trop macho à votre avis? C'est Pierre Bénichoux par exemple. Ah oui, alors c'est non, encore... Non, vraiment, s'il y a quelqu'un qui n'est pas macho, c'est bien moi. Ouais. Et qui ne dirait pas comme toi aéropage pour dire aréopage. Oui, à chaque fois. Et voilà, et boum. Faut pas m'emmerder, moi. J'ai dit aéro... Quoi? Oh, et merde. T'as dit aéropage. On ne pas des mots au-dessus de ta condition, mon petit gars. Quel con. T'es une bande de papa. Merci, monsieur Miller. M'envoie Sébastien. Ah, c'est un email. De rappeler de temps en temps. Merci, Gérard, de rappeler qu'il est effectivement interdit de fumer dans les lieux publics. Monsieur. Ouais. Il y a deux tables, hein, quand même. Merci, Gérard. Ici. Monsieur Bénichoux peut merci en rire. Merci de le rappeler. Ouais. Monsieur Bénichoux peut en rire et parler de flics à propos de Miller, mais je préférerais l'entendre parler de prise en compte des autres, et notamment des gens qui ne supportent pas cette odeur de cigarette. Si je vous en parle, c'est pour pousser un coup de gueule contre toutes ces personnes qui se permettent de nous polluer sans demander l'avis aux autres. Monsieur Bénichoux, on commence à vous écouter en rentrant de l'école, alors faites attention à ce que vous dites. Bravo Miller, à bas Bénichoux. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce email. Autant d'Europe numéro 1, je me serais rebellé, mais maintenant, je ne travaille plus pour Lagardère, je travaille pour Martinez. Alors, forcément, je ne peux plus rien dire, ils sont très sévères ici. Très sévères. On ne sait plus pour qui on travaille, parce que j'ai un autre email qui dit « Bravo RTL, vous êtes parfait. »
Merci pour vos émissions d'hier. D'abord, j'ai eu l'occasion, me dit Laure, d'entendre une interview en direct de Tom Hanks. Ah, elle y a cru à l'interview de Monique Pantel. C'est pas vrai. Mais surtout, j'ai vu deux choses impossibles. Jean-Luc Lemoyne en smoking, et il est plus beau que d'habitude. Et Pierre Bénichoux sans cravate. Bref, une journée exceptionnelle. Oui, oui. C'est vrai que je laisse à mon public de la Côte d'Azur la primeur de mon apparition sans cravate. En général, les femmes sont toutes émoustillées et les hommes très jaloux. Ouais. Super Pierre est revenu. C'est pas, pas ce que j'ai vu hier soir, ça. Alix. Pourquoi, c'était comment hier soir? Mais où est-ce que vous étiez donc? C'était Râteau et compagnie, c'était comment? Il prétendait qu'il connaissait un endroit. Oh, ouais, ça. Vas-y, alors. Et oh, la donneuse. Toute vas-y, continue. Ouais. Toute la demi-heure, il me disait on y va, je disais d'accord quand tu veux. Puis. On se perdait, tout d'un coup, on s'est retrouvé sur la croisette. Moi, je rentrais avec mes journaux sous le bras, chez moi. Et je dis... Non, tu rentrais avec ta bite sous le bras. Donc, une émission pas macho. Non, pas du tout. Et alors, la suite, bon, on l'aura. Et alors, mes copines qui m'attendaient au coin de la rue m'ont dit, non, pas lui. Elles t'ont pris combien, tes copines? Pierre Bénichoux, je me suis finalement attaché à cet homme, m'écrit Alix. Tiens, c'est marrant, c'est comme le prénom de votre femme, dites donc. On vous en prie. Ben oui. Je parle de la vôtre, moi. C'est vrai qu'au début, je ne l'aimais pas trop. Il avait sa manière de s'emballer avec ses grands gestes et ses postillons. Mais maintenant, j'ai retourné ma veste de tweed et je le trouve génial, incroyable, dantesque même. Dantesque, je trouve que c'est un adjectif dantesque, qui va bien. Oui, c'est peut-être un mot, c'est un peu comme un réopage, quoi. Il ne faut pas l'employer quand on ne connaît pas le sens. Gramophone, ambulant, un puits de science avec des raisonnements hors du commun. C'est un ovni et il m'a conquis. Voilà ce que dit Alix. The. Oui, c'est un Alix. Alors, conquis, c'est un Alix homme ou un Alix femme? Parce qu'il y a des Alix hommes. C'est un homme. Je n'ai pas dit que c'était une femme. Non, mais donc, c'est un homme. Si c'est il m'a conquis, c'est que c'est un homme. Et voilà. Ouais. Monsieur Miller, lui, est nul dans la forme, dit Philippe. Mais alors, dans le fond... Par contre, je ne conteste pas son intelligence, mais qu'il ferme sa gueule. Non, c'est vrai. C'est vrai que t'as un physique de radio, mais tu parles pas bien. Mille excuses, monsieur Ruquier, car je sais que c'est votre protégé. Ça, alors. Mais oui, sans ça, il serait pas là. Ça, c'est vrai. C'est exact. Pi égale 3,1416. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Quelle grossièreté, monsieur Bénichoux. Pour l'éducation des foules, sachez que pi égale 3,1415926535. Oh. La valeur des 31 premiers chiffres de pi peut d'ailleurs se retenir à l'aide d'un quatrain dont voici le début, que j'aime à faire apprendre un nombre utile au sage. Voilà. Sachez effectivement que si vous voulez arrondir, vous devez dire 3,1416 et non pas 3,1416, car alors il n'y aura pas de 1 entre le 14 et le 16. C'est vrai. C'est vrai. Alors, il ne faut pas dire pi 3,1416, mais pi 3,1416, qui est le nom de l'hôtel qui nous héberge pendant ce festival. Ah, c'est un hôtel que je vous recommande. Hein. Ma chambre. C'est pas terrible, mais c'est cher. Vous êtes venu dans ma chambre. C'est pas vrai. Moi, je suis très bien logé et je suis ravi d'être dans cet hôtel. Moi aussi, je suis ravi d'être dans cet hôtel, mais moi, comme je m'en fais tout à l'heure, je peux vous le dire. Don't go there. Je parle pour les Américains. C'est méchant de dire ça. Ouais. Non, c'est méchant, c'est vrai, parce que... C'est un copain à vous en plus, Monsieur Partouche. Monsieur Partouche, oui. Voilà, c'est pas que je l'aime, je l'adore, voilà. Non, mais tu sais qui... Quand on aime, on compte pas, hein. Je l'aime, donc... Et vous êtes venu dans ma chambre hier, et génial. C'est formidable, la déco, c'est dingue. Franchement. On se fait la soirée foot ce soir. Moi, je serai pas là, mais c'est quand même une chambre d'hôtel, on peut quand même le dire, avec de grands écrans 16/9, avec une jolie vue. Avec la peinture, ça ressemble à rien, avec des cendriers. Je sais même pas que c'était possible, c'est une boîte de conserve. T'as vu le cendrier? Il osait même pas se servir des cendriers. Puis il mettait son cendrier sur un vieux journal Le Monde. C'est tellement stylisé, tellement flashy, trendy, tout ce qu'on voudra, qu'on n'ose même pas toucher les choses. Votre chambre à vous, Gérard. C'est un peu flashy, mais pas vraiment trendy. Mais est-ce que. Excuse-moi, mais. Qui aura ta soirée de foot? Parce qu'il y a 15 jours qu'il essaye de ramener le monde dans sa piole. D'entraîner des petits garçons dans sa chambre en disant soirée foot. Mais pas du tout. C'est Jean-Luc Lemoyne. Il y a Partouche. C'est Jean-Luc Lemoyne qui veut absolument regarder le foot. Moi aussi, parce qu'on aime ça. Et ce soir, on va regarder plutôt que d'aller. Ah oui. Alors, c'est dans quelle chambre? Je ne sais où. Non, ça vous intéresse pas le football, vous? Monsieur.
Ah oui. Ah bah oui. Marseille-Valence, ça vous intéresse? C'est Marseille-Valence. Ouais. D'accord. Oui. Mais pour moi, de toute façon, je vais botter en partouche, moi, parce qu'il n'y a pas rien de faire. Gérard Miller, comment est votre chambre? Décrivez-la. Elle est sympathique, elle est dans les couleurs violettes. C'est vrai que c'est un peu surprenant quand on arrive. Ouais. On a un petit effet voilà, de choc, parce, mais à part ça, elle est très opaque la nuit, ce qui est un point très important pour moi. Ça veut dire quoi, très opaque la nuit? C'est-à-dire que le jour ne rentre pas facilement à travers des rideaux. Non, relativement la nuit, épais. Le jour ne rentre pas. Non, le matin. Ce qui est important, c'est qu'elle soit très opaque la journée, non? Oui, le matin, je voulais dire. Le lit est assez profond. Moi, je pense que Gérard Miller, si tu veux, sur la forme, il est nul, mais des fois sur le fond aussi. Hein. Mais non. Non, mais opaque, ça veut dire quoi? On dit obscur, on dit hermétique, on dit pas. Il voulait placer opaque. Un mot. Un mot compliqué. Ensuite, le lit est relativement douillet. Ah oui, douillet. Oui. Ça veut dire en forme de judoka. Voilà. La salle de bain est amusante. Douillet, c'est-à-dire que quand tu tombes trop fort sur lui, il fait aïe, c'est ça? Tu sens les pièces de monnaie? Il y a un plasma qui n'a pas la taille du vôtre, parce que je comprends, mais qui est plutôt. Non, j'ai un gros plasma. Non, je suis plutôt content. Moi, l'emmerdant dans ma chambre, c'est qu'il n'y a pas de cendrier. Je suis obligé d'écraser mes clopes sur la moquette. N'ayez pas peur, monsieur Partouche. On vous rendra dans les chambres, dans l'état dans lesquels vous nous les avez présentées quand nous sommes rentrés. Non, ce qui pourrait lui arriver de mieux, c'est qu'on les transforme. Ah, je suis pas d'accord. Vandel, ah, moi, j'adore défendez l'hôtel Pitre 1416. Non, mais vous avez une moins belle chambre que la mienne. Moi, je suis à l'étage 4 et les chambres ont tellement de mauvais goût que ça crée quelque chose qui a du bon goût. Oui, c'est kitschissime. On se réveille dans un bordel. Avec c'est des parfait coussins, pour Cannes. Des c'est... petits coussins roses, poilus, orange. On dirait, mais même dans un bordel, ils inventent ça parce que c'est un peu vivant. Mais le problème, c'est qu'on se croirait dans un bordel, mais on n'y est pas. Vous avez raison, monsieur Bénichou, vous dites toujours tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Eh oui, eh oui. À vrai dire, je trouve que vous pensez juste. Jean-Bernard Hébé aussi exprime très bien mes opinions. Ainsi qu'Isabelle Motreau, elle est parfaite. Ça m'inquiète. Ils attirent souvent les critiques parce que ce sont des points de vue qui paraissent un peu élitistes, mais ils n'en sont pas moins vrais. Moi, je les trouve très bien, intelligents. Vive Hébé, Bénichou et Motreau. Oui, moi, je suis qui dit un peu. Je suis d'accord pour le deuxième. Email. Pardon ? C'est débile comme email. Dans le début du email, ils disent tout ce que tout le monde pense tout bas, et à la fin, ils disent c'est élitiste. Donc ça veut dire que tout le monde est de l'élite. Ouais, arrête, t'es jaloux parce que t'es pas dedans. Non, mais c'est pas ça, c'est assez étrange. C'est pas de mal à veille, tu vas être cité. Ouais. Je déteste cette expression. Le jour où il y aura un concours de cons, tu feras trois mots. Je déteste. Moi, je déteste, je suis comme toi, je déteste ça. Ils disent tout ce que tout le monde pense tout bas. La dernière à qui on l'a dit, c'était Maigret et Le Pen. Et Le Pen. D'accord, dis donc, t'as déjà un discours à faire pour la 5 ans, tu vas pas recommencer. Mais mon Dieu, mais où suis-je tombé? Oh non. Moi, je suis... Écoutez, je retrouve le climat, mon climat natal, ici, je retrouve toute ma verve, toute ma fougue, comme devant un aéropage ou un aéroport, complètement opaque. Ah, moi, je suis comme ça. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours depuis Cannes, dans les salons du Martinez. Avec Christophe Alévèque, Pierre Bénichou, Isabelle Motreau, Gérard Miller, Philippe Vandel et Jean-Bernard Hébé, j'ai vu. Christine Abramo. Ah. Ah non. Oh non. C'était une bonne émission. Mais qu'est-ce qu'on a on fait était bien. On avait une bonne émission, on avait une bonne ambiance, on s'entendait bien. Comment ça va les feignasses? Arrivée de Christine Bravo. Discrète, non, on peut le dire. Qu'est-ce que vous faites là, Christine? Mais pourquoi t'es en maillot de bain? Et pourquoi t'as un micro? T'es venue avec le micro depuis Paris? C'est un maillot de bain ou un string? Alors, je suis. On dirait l'hôtesse qui va nous faire les trucs. Les consignes de sécurité. Ça vous fait pas plaisir de Non, moi, ça me fait plaisir fou, surtout quand elle arrive avec sa délicatesse de violette. On dirait Fanny Ardant. Bonsoir. C'était pas prévu non plus, je peux m'asseoir. C'est pas la peine, peut-être pas tout de suite, avec plaisir. Il y aurait une chaise, on aurait été content, mais c'est fait. Prenez une chaise, c'est pas à côté de moi. Mais... Je vais pas la prendre, Christophe. Christine Bravo. Quoi, mettez Christine Bravo? Mais pourquoi moi? Installez Christine. Je suis intermittente d'Européen. Voilà. Vous venez d'arriver, Christine Bravo, sur la croisette. Elle est pas belle, la vie? Elle a maigri, hein, quand même. C'est fou ce qu'elle a maigri. Christine Bravo est en train de faire une cascade, messieurs, dames. Alors, attendez, on récapépète. Nous sommes où? Au Mexique. Christine, nous sommes où là? Attends, mais j'ai écouté. Mais ça y est, elle a bugué. C'est atroce, je suis arrivée avec mes gants MAPA. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah attends, il paraît qu'il y a grève des palaces. Alors moi, chez moi, je fais pas le ménage, mais dans les palaces.
Oui. Vous êtes venu avec vos gants, ma part. Oui. Non, mais c'est normal que tu ne fasses pas le ménage, t'as jamais été bonne. Ah, il était temps que j'arrive, hein. Ouais. Isabelle Motreau, enfin quelqu'un qui va pouvoir. Ouf. Et puis qui représente la délicatesse, la féminité. Le... Quelqu'un qui va. Mais oui. Quelqu'un qui va sauver la condition féminine dans cette émission. Voilà, je ramais un peu Christine sans toi, là. Parce que c'est un peu une émission qui sent des pieds, quand même, hein, là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Bernard Hébé? Rien, je suis pas là. Si, je vous ai vu courir pour aller chercher un journal étranger. Pourquoi vous avez le Herald? Oui, et ostensiblement disposé. C'est-à-dire que quand il porte un journal, on peut le tourner comme ça. Quand on veut juste dire, je lis le journal. Ouais. Et lui, non, pas du tout. Il le met comme ça. Il le porte comme ça, ostensiblement, pour que chacun puisse lire, qu'il lit des mots écrits en anglais. Quand tu dis comme ça, pense que tu es à la radio. Je sais, j'ai fait une erreur. Je me suis rattrapé. Alors, j'ai pas besoin de faire semblant de lire des journaux en anglais, puisque c'est les seuls auxquels je suis abonné. Ils sont en anglais. Je le fais tous les jours, donc j'ai pas besoin. Il vient de le redire, donc de faire semblant. Deuxièmement, je suis sorti à toute allure parce que j'avais envie de faire pipi, c'est tout. Donc je suis allé dehors et j'ai coup sur coup, voilà. Deux informations bouleversantes. Oui. C'est fou. Tu sors faire pipi et tu ramènes du papier. Exactement. Voilà, mais à part ça, je vous écoute. C'est quoi alors la une du Herald aujourd'hui? La une du Herald Tribune, ce sont. Faut quand même qu'ils mettent les lunettes, hein. C'est peut pas ah bah être oui. Non plus. Ils décrivent pas gros les Anglais. Qui sont, on nous parle de la bande de Sonia Gaza. Et Sonia Gandhi qui dit. Sonia Gandhi qui dit non, je veux pas être élue. C'est pas vous qui l'aviez fait démarrer, Sonia Gandhi, dans Froufrou. Ah non, je confonds. Hein. Ah non, c'était Sonia Gossi. Qu'est-ce que tu fais? T'as une oreillette? T'écoutes tes messages? Qu'est-ce que tu fais, Christine? Non, elle écoute la radio, elle a le retour radio dans son oreillette. Non, mais attendez, moi qui connais bien Christine, je vais lui poser une question, ça sera plus rapide pour tout le monde, Christine. Pour toi, je te parle. Est-ce que tu as bien déjeuné et est-ce que tu sors de table, là? Ben oui, puisqu'elle a la salade de fruits autour du cou. Parce que j'ai l'impression. Tu vois, t'es dégueulasse, c'est ma fille qui m'a fait ce collier. Ah, c'est pas vrai. Mais c'est vous, t'es pas obligé de le porter. Ta fille a vomi à midi. Bon. Non, mais c'est 1 euro le bouton. C'est magnifique. Ouais. Tu sais, ma vie, c'est extraordinaire, tu vois. Elle va dans les trucs de perles, là. Donc, ouais, t'achètes des perles. Ouais. Mais, dans les huîtres, elle fait. Quoi? J'ai un ostréiculteur, non? Oui, ouais. C'est ça, oui. Les trucs de perles. Mais toi, t'as pas de fille. Ah non, heureusement. Ça, c'est son problème. Il reste jusqu'à 6h du matin, justement. Pour... Ça suffit. En moralité, elle me dit, maman, je vais te faire un collier, c'est super et tout. Et elle va dévaliser la droguerie, tu vois. La droguerie, c'est un magasin très cher à Paris. Et la moindre perle que vous voyez, ça coûte 1 euro. C'est-à-dire, je me retrouve avec un collier à 1000 euros. Mais c'est tellement joli. Moi, j'ai une question. Non, ne riez pas, ne riez pas, ne riez pas. C'est un des cas les plus intéressants que nous ayons vu. Je crois pas que Saint-Anne a été révolutionné par ce fait. Professeur Bénichou. Alors, vous avez remarqué comment elle arrive pour choquer. Et dès qu'on rigole bien avec elle, elle dit oui, mais ma petite fille, quand même. Alors, il faut dire oh, oui, parce que c'est une bonne maman, quand même. Et tout. Tu veux jouer sur tous les tableaux. Attends, tu m'a demandé quoi, si j'avais mangé. Tu sais comment ça finit, des filles comme toi, dans la mer. Bah, hier, dans la ferme, il paraît qu'il y a eu un concours, une bataille de bouse de vache. Et Vincent McDoum n'était pas content. Il dit, au secours, mon jean très cher. Non, il a dit aussi, j'ai de la merde au cul. Ah oui, il paraît. Comme tu as de beaux yeux, a-t-il dit à Pascal Olmeta. Et il faut savoir qu'en fait, suite à la demande de l'Olympique de Marseille, Vincent McDoum et Pascal Olmeta vont pouvoir assister au match ce soir. Ça y est, c'est fait, c'est décidé. Ah ben c'est eux qui viennent avec toi voir le match alors. Tous les deux. Non, ils vont à Göteborg. Ils vont même à Göteborg. Mais est-ce que vous n'avez pas le canal 27? Mais quand t'as le canal 27, après t'as l'autre qui fait. C'est où Göttinger? Ouais. Alors, le canal 27. C'est en Suède. Ouais. C'est où en Suède? C'est quoi le canal 27? T'as pas bu du Perrier, toi. Hein. Tu rigoles? Je sais pas, d'avion. Ce qu'elle a bu, mais elle va force de la laisser venir comme ça, on va tous être virés. Mais non, c'est le décalage horaire depuis Paris. Dites donc, alors, bah, à part ça, qui y avait dans l'avion, Gérard Miller? Dans l'avion, il y avait Dominique Besnéard, également. Ah, je l'ai vu. L'agent. Je l'ai vu hier soir. Quelques stars françaises, d'ailleurs. Oui. Avec un excédent de bagages. Il y avait juste avant, j'ai parlé avec Clotilde Courau qui prenait l'avion juste avant. Tu as dit ça, son hôtesse sérénissime, tu as dit ouais. Elle allait ensuite, m'a-t-elle dit, elle venait juste faire la montée des marches avant-hier, si je ne me trompe, et puis elle repartait le lendemain puisqu'elle a le mariage
Elle a mariage. En Espagne. De Felipe. Ah, bah oui. Felipe. Bah oui. Eh oui. Qui fait partie de cette famille. Ah, dis donc, il y a grand, cette semaine, énormes événements. Alors, bon, on va dire, j'imagine qu'il y a beaucoup de Français dans la salle. Non, c'est dingue, comment tu imagines? C'est hallucinant, elle porte. Quelle perspicacité! C'est-à-dire que. On n'est pas très loin de l'Algérie, mais quand même. Ça, c'est pour montrer. Mais attendez, mais vous êtes con. C'est pour montrer son côté star international. Il y a des Français dans la salle. Tu peux parler français, Christine. Tu peux. Attends, j'allais dire un truc intelligent. On va t'expliquer. Est-ce que elle allait dire un truc intelligent. Oh, taisez-vous, taisez-vous. Attends, est-ce qu'il y a Sien français? Alerte à la population. Attention. Donc on va dire que tout le monde est pour l'OM ce soir. Mais moi, je veux saluer ma maman qui est dans la salle et qui est de Valence, Valenciana. Et C'est ça le truc intelligent que t'avais allé. Tant qu'on a appris que sa mère était de Valence et que sa fille enfilait des perles, des ouais. Mais comment ça, elle est dans la salle? La mère aussi, elle hein. La maman de Christine Bravo. Vous êtes et où, veuillez madame... de venir chercher sa petite. Elle est au fond, elle n'ose plus se montrer, la pauvre. Vous maman, êtes où, madame toi. Bravo. Un madame peu de Bravo, courage, maman. Carmen, debout, Carmen. Debout, Carmen. Et Carmen, elle est pour Valence. Non mais je sais pas si vous voyez cette pauvre madame Carmen, ça fait 40 ans que sa fille lui Carmen fait Carmen qui travaille au Carlton. C'est pour ça qu'elle peut être là cet après-midi. T'es dégueulasse. Carmen, nous compatissons. Nous compatissons. Vous, mais... ça fait 40... Nous, ça fait que 2-3 ans, mais vous, ça fait 40 ans. Vous, oh, vous êtes gentil, 40 ans. J'ai eu 48 ans le 13 mai. Non. Voilà. Bah, ça, ouais, je sais, ça. Je ne les fais pas. Oui, je... Ça, c'est pas vrai, ça. C'est pas possible, ça. Et maintenant, Carmen va nous interpréter Valencia. Allez-y, Pierre. Ah oui. Valencia. Valencia. Oh, ça serait bien qu'on le mette, le 10. Bon, je sais, c'est pas un peu probable. Allez, chante, allez, l'OM. Ah, écoute. Ah, mais c'est pas l'OM qui joue contre Valence, de toute façon. L'OM joue contre Porto, non? Non, l'OM joue contre Valence. Non, Porto, c'est ce que t'as bu hier. Gérard Miller, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les Chinois renoncent à la Lune. L'exploration du satellite de la Terre est abandonnée. Encore du cul. Encore du cul, on n'en sort jamais. Pour raison financière, c'est que le premier taïkonaute chinois est parti en octobre 2003. Oui. Et on se disait que peut-être un jour les Chinois marcheraient sur la Lune. Eh bien non, ils y renoncent, nous annonce-t-on ce matin. Vous mais lui, il est au courant, le mec qui est parti, là? Parce qu'il faut peut-être lui dire que... Ils ont coupé les crédits. Alors Gérard, comment se fait-ce? Ah bah parce qu'il se doit faire un certain nombre de choix économiques. C'est un pays, comme vous le savez, qui est en plein bouleversement. Et ils ont fait... Les Chinois, tu sais, Gérard Miller... abandonne le sexe et les Chinois renoncent à la Lune, c'est un peu la même chose. Mais alors, Pierre ne cesse pas de dénoncer publiquement ma façon de parler, qui est une façon, je le reconnais, un petit peu précieuse. Précieuse. Quand même. Ah. Précieuse pour moi, Gérard. Bien entendu, mais franchement, Pierre, est-ce que moi je me suis moqué de la façon dont tu parlais? Non, mais c'est parce que si jamais tu avais des tendances homo, je ne me moquerai pas de la façon tellement Caroline dont tu parles. Parce que je me dirais, il est constitué comme ça, il est comme ça. Mais toi, qui peux pas avoir une jupe sans ramper pendant des kilomètres, ah, et que dès qu'il commence à parler, dit oui, je trouve que des soins économiques, on fait comme ça, ça me fait marrer. C'est ce contraste qui me fait rire. C'est pour ça qu'il emballe si pas. Si tu disais, oh ben oui, en ce moment, avec Robert, on a décidé de changer de machine à laver. Je dirais, bon, c'est normal, il va se marier bientôt, ça va. Mais là, il est là, avec les frangis, là, comme ça, et dès qu'il parle, oui, nous avons pensé... Arrête, Pierre. Pierre vous imite, ne vous laissez pas faire, Gérard. Non, essayez d'imiter Pierre Bénichoux, allez-y. Oh non, il est trop distingué, il peut pas. C'est ça, c'est... Oui, il est trop distingué, il peut pas. Allez-y, non mais Pierre, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à être aussi vulgaire que Pierre. Hein? Mais comment faites-vous pour... Et alors maintenant, sans augmentation du prix des consommations, je vais chanter la petite Carmen et non, voilà. Enfin, c'est quelque chose comme non, ça. Non, c'est ça. Et comme dit Gérard, mon beauf. Il paraît que son imitation fait un tabac chez Michou. Hein, quand non. C'était assez. Écoutez, c'était assez réussi. Et encore, j'étais. Non, c'est très réussi. C'est pas réussi, c'est même piquant.
Non mais Pierre, c'est vrai que nous les vrais hommes, on parle pas comme ça. Mais qui fait l'homme dans votre couple là? Alors vous avez vu que le maire de Pau, monsieur André Labarrère, qui a été... Ça c'est un enchaînement, ça. Ça, j'ai vu ça, le maire de Pau, ouais, j'ai vu ça. Ça a été un des premiers hommes politiques à faire son coming out, à dévoiler son homosexualité. Son coming out. Ben oui, c'est comme ça qu'on dit. À août. Ah oui, pas à août, comme à août. Non, c'était en février qu'il l'avait fait, alors. Ok. Et alors, curieusement, bien qu'il fût un des premiers à révéler effectivement sa sexualité, il dit aujourd'hui qu'il est contre le mariage. Mais c'est la position de Jospin. Qui est tout à fait absolument... qui lui aussi est pédé, non qui est pas du tout homophobe, qui est pour le Pax et qui dit que le mariage c'est une institution qui doit réunir un homme et une femme car il y a l'idée de procréation. Il est contre le mariage homosexuel alors qu'il est absolument pas contre l'alliance homosexuelle. Il y a pas, je vois pas de contradiction dans ce que dit la Barrère. Absolument. Et en plus de ça, la plupart des gens qui sont contre le mariage homosexuel sont des homosexuels qui sont en couple depuis longtemps et il y a toujours un des deux qui a moins envie de se marier que l'autre et l'autre qui dit, tu vois maintenant on a le droit d'y attends il y a rien de fait, hein. Même la Jospine est con. Il y a un garçon qui s'appelle Vincent, qui a 10 ans, qui parle dans le Parisien, ou aujourd'hui en France pour la province. Il a été élevé par Pierre et Julien, et il raconte un peu, il dit « J'ai un géniteur qui est mon père et une génitrice qui vit en Grande-Bretagne ». Il parle de géniteur et de génitrice, en fait, par rapport à qu'est-ce qui vous fait rire, Hébé ? Je suis désespéré. Allez. Je suis désespéré de voir des gens d'aussi beaux esprits que vous, des gens aussi intelligents que vous, perdre autant de temps à autant de conneries. C'est pas des conneries, Laisse-moi finir, c'est insupportable. Moi j'ai encore rien dit. Laisse-moi finir quand même. La Chine est en train de conquérir le monde et de bousiller toutes les économies du monde. L'Afrique est en train de crever avec la malaria. Ouais. Toute l'Europe est dans une merde gigantesque dans le boulot. Et ça fait 4 mois qu'on nous fait chier depuis le début de l'année. D'abord avec le voile pour les musulmans et deuxièmement maintenant pour le mariage et PD. Ça va ? Merde ! Ouais. C'est un problème. C'est vrai que c'est un problème. Quant à monsieur Noël Mamère qui se dit être à la tête d'un parti important et qu'il a réduit à néant par ses conneries avec l'autre imbécile qui faisait du régécolore tous les 3 matins et qui était au gouvernement, madame Dominique Voynet, ils ont réduit le mouvement des Verts à une connerie, à un truc qui est une branlette de petits connards. Ça nous fait chier. C'est un problème, ça se résout en 3 minutes. C'est pas vrai, c'est faux. Bon. C'est la démagogie la plus idiote. Oui, oui. C'est vrai que c'est un problème. Ça, c'est un raisonnement. Tricheuse, menteuse. Ça, c'est un raisonnement de. Résolvons le problème. C'est un raisonnement de pédé. C'est un raisonnement de boucher. Oui, je suis un boucher. Mais tu es un boucher, mais c'est pas la peine de t'en vanter. Mais ça suffit. Essaye d'ouvrir cette tête obtuse à l'intelligence. Oh. Réglons le problème. C'est du comme PAC, si on disait. Dit, c'est comme y a si on disait. Admets ton côté boucher. Oui. Tout le monde parle en même temps. Tout le monde crie en même temps. C'est comme si on disait il y avait la guerre de 14, il y avait la lutte pour les 40 heures, il y avait tout ça. Et pendant ce temps, ce petit connard de Proust était en train d'écrire à la recherche du temps perdu. C'était plus important que tout le reste. Eh ben, ce genre de débat de société, ce genre de débat sur le mais non, mais on ne fait plus la guerre, justement. Regarde, la Chine est en train de conquérir ce petit économiste de pacotille qui va nous raconter, parce qu'il a gagné 3 sous avec je ne sais pas quel pays arabe à leur faire de la téloge, il vient nous dire « La réalité, c'est moi !» Je n'ai pas dit que la réalité, c'était moi, je dis que la réalité, ce n'est pas de parler toute la journée. Jean-Bernard, les papilles font de la résistance. C'est nul. Non, oui, Dieu sait, Laurent, Dieu sait que je trouve la voix du Seigneur. Dieu sait que je trouve souvent que Pierre Bénichaud... C'est le consensus qui parle. Ah, ça y est, ils vont tous me tomber dessus maintenant. C'est normal, tout est normal. Mais je suis d'accord avec toi, Poupette. Monsieur, madame, Dieu sait que Pierre Bénichaud a dit souvent des sottises, mais là, il parle d'or. C'est absolument vrai que les propos de Jean-Bernard Hébé, dits avec cette véhémence-là, sont parmi les plus démagogique que j'ai entendu ces derniers temps. C'est très facile d'obtenir des applaudissements lorsqu'on dit que vous avez aucun rapport. Je conclurai. Vive le mariage. Je conclurai. Vive le voile. Et tout le monde. Mais non, pas du tout. Je conclurai par le titre de mon ami indéfectible,
J'ai nommé le petit gars qui est là. Hein? Lequel? Vous voulez me rappeler son nom? Il s'appelle Bandel. Philippe Bandel. Philippe Bandel. Ouais, après l'imprimature que vient de me donner Gérard Miller, je ne suis plus de mon avis. On se retrouve depuis Cannes pour cette émission, la dernière émission de Europe 1 avec On va se gêner ici à Cannes, mais évidemment Bruno Kras pour Europe 1 va continuer à vous faire part de tout ce qui se passe ici sur la Croisette. C'est notre journaliste spécialiste de cinéma sur Europe, excellent. Alors il faut Bruno, il ne manque aucune projection. C'est vrai. Ah, il a un parcours, moi je l'ai vu travailler l'année dernière, alors vraiment, le parcours du combattant, debout à 6h du matin. Combien pour les premières projos. Ça veut dire ça veut dire deux minimum, parfois trois quand même. Trois films par jour. Et c'est dingue. De dingue. Les gens qui sont marteau-piqueurs doivent dire, putain, c'est dingue. Ils sont assis deux fois de suite dans la journée, pendant une heure et demie, dans des grands fauteuils club avec des jolies gonzesses à côté. Ah non, mais attends, mais moi... C'est un boulot de gueux. Je trouve que c'est pas un boulot de gueux, moi j'adore ça. Non, mais tu peux pas dire ça comme c'était Et des fois, esquimaux gratuits. On peut parler. Esquimaux gratuits obligatoires. Non, je n'ai pas dit que c'était le summum de la souffrance. Mais le parcours du combattant, ce mot-là, non, sens, mais c'est même. Génial. Non, mais oui, c'est génial. C'est une période formidable. C'est une période formidable de faire Cannes. D'accord. Mais il n'empêche qu'il faut quand même se lever tous les jours très tôt pour aller voir des films. Et je t'assure que voir des films à 8h du matin, en ayant quand même. Il y a un boulanger qui nous écoute qui vient de passer sur RTL. Mais arrête. Il faut se lever très tôt. Il faut se lever à 7h. Non, je suis désolée. Il appelle ces radios démago ici. Oui, c'est ça. Tu vas t'attirer les foudres. Je suis désolée, Philippe. Quelquefois, tu ne choisis pas les films que tu vois à 8h du matin. Et t'es quand même censé être frais, dispo et être alors que le mec au marteau piqueur, il choisit sa rue, t'as remarqué. Aujourd'hui, je vais faire les Champs-Élysées. Mais arrête, j'ai jamais dit ça. Je trouve que c'est un métier formidable. Et sinon, je l'aurais pas fait. Bien sûr. Il n'empêche qu'il faut quand même conserver un certain objectif. Non, mais t'es impressionné parce que par rapport à toi, tu travailles beaucoup. Tiens, mon Maurice, ta mauvaise mine, mets ton marteau piqueur dans le midi. Le type descend avec son avion privé. On ne peut pas parler avec vous. Qu'est-ce que je fais? Allez, quant à nous, il nous reste quoi? À peine 40 secondes pour remercier encore tous ceux qui nous ont accueillis à Cannes, l'équipe technique qui nous a suivis ici pour Europe 1 dans les salons du Martinez qui a permis la retransmission en direct chaque jour. Remercier Monsieur et Madame Martinez. Voilà. Monsieur et Madame 314 qui nous accueillent dans leur hôtel. Moi, je ne touche pas à la décoration. Hein. Moi, je veux remercier Monsieur Colin Olivier qui m'a prêté son appartement. Donc, c'est pas vrai. Vous vivez chez l'habitant, vous? Ah, moi, je vais chez l'habitant. Il fait un stock d'Ikea. Donc je suis dans le Ikea, c'est impeccable. Et vous comptez vous marier quand avec ce monsieur? Incessamment, on attend de pouvoir un se marier et deux adopter les enfants, mais dès que c'est fait... Allez, on vous remercie tous, restez sur Europe 1, on vous retrouvera évidemment quand même demain entre 16h et 18h. Bye bye. Et allez l'OM.